Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, le facteur vient de venir, voilà. Donc comme vous avez vu dans le titre, unboxing, voilà. En partenariat avec la boutique Gutfeld, qui m'a gentiment fait choisir 3 kits sur leur boutique. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi donc 3 kits. Bon, il y en a un qui sera fait par mon chouchou, par mon mari. Voilà, parce que ben là je commence à avoir du boulot, hein, en diamond painting. Donc ben, il va se mettre au boulot, hein, il va en faire avec moi. Bon, il faut d'abord qu'il termine le sien. Donc voilà. La boutique Gutfeld, comme je vous dis, bon, j'avais déjà fait un partenariat avec eux. Hein. Vous l'aviez vu sur une précédente vidéo. Donc, j'étais très, très contente avec eux. Et ils ont voulu renouveler l'expérience. Donc, encore plus heureuse. Voilà. Donc, je trouve que c'est une boutique très sympa. Avec beaucoup de choix. Voilà. C'est ça le problème, il y a beaucoup de choix, donc c'est toujours difficile de choisir, mais bon, tant mieux, vaut mieux avoir une boutique avec beaucoup de choix qu'une boutique avec, pas, avec 3 kits et la moitié d'un. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi, voilà. Je vous rappelle que comme d'habitude, je vais mettre en barre d'infos le lien de la boutique et le lien de chaque kit que j'ai choisi pour que vous puissiez les retrouver directement en cliquant sur les liens si les kits vous intéressent. Hein, je rappelle que ça ne me rapporte pas d'argent hein, si vous cliquez sur les liens. Voilà. Alors, j'ai 3 kits. Un grand, un moyen, un petit. Voilà. Donc, le grand, ce sera pour mon chouchou. Alors, ben, je vais commencer par celui-là. Allez, soyons fous. Donc, j'ai déjà déballé hein, de l'emballage postal pour faire moins de bruit et gagner du temps. Voilà. Et cela, j'ai déjà ouvert. Idem. Bon, celui-là était emballé dans un emballage transparent. Alors, je cherche le bout. Il est là. Alors, celui-là, c'est un très grand. Alors là, mon mari n'en a pas encore fait d'aussi grand pour l'instant. Donc, quand je l'ai reçu et, bah, tout à l'heure, je lui ai dit la taille, il fait « Ouh !» Alors, c'est un... Alors, la taille, je vais vous le dire tout de suite, c'est un 1 mètre sur 50 cm. Voilà. Donc, c'est des perles rondes, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons. Alors, attends, il faut que j'arrive au bout. Voilà. Oui, c'est des perles rondes. Ah, tiens, j'ai 2 kits. Voilà, j'ai 2 kits. Tant mieux. Bon. Alors, dans les kits, comme d'habitude, le petit stylet rose, le petit plateau vert, le petit carré de glu rose... Et il y a 2 sachets pour 2-3 sachets pour remettre les perles restantes à la fin du kit. Voilà. Bon, ça, on commence une collection. Hein. On en est toutes là. Alors, déjà, l'envers. Ben, il n'est pas abîmé. Petite poussière, c'est rien. Il n'y a pas de... Je vois pas de rivière. Bon, là, c'est les plis, mais c'est les plis parce que c'était enroulé. Hein. Donc, je vous montre déjà l'envers. Vous voyez? Donc, ça, moi, c'est vite réparé. C'est pas réparé. C'est vite arrangé. C'est que moi, je... Quand c'est comme ça, je vous remettrai le lien de la vidéo pour ça. Je repasse avec mon fer à repasser. Sur l'envers, hein, surtout. N'allez pas faire la bêtise de le faire sur l'endroit. Avec une serviette éponge sèche, bien sûr. Je mets la serviette éponge là-dessus. Et je repasse. Voilà. Alors, je ne m'embête pas. Hein, au début, je faisais à pas trop chaud. Bon, c'était long.
Maintenant, je suis sur le coton, j'y vais même à la vapeur. Bon, j'y vais rapidement, hein. Ne restez pas longtemps dessus quand même. Et en 2 minutes, le kit est plat, plus un pli, plus rien, il est nickel. Voilà. Donc, pas besoin de passer une nuit sous des bouquins, sous votre matelas, pour l'aplatir, ça sert à rien. Un coup de fer à repasser, et puis votre kit est nickel. Et il ne va plus du tout se réenrouler ou se replier, se chiffonner, voilà. Donc voilà, la petite astuce du jour, mais que je vous ai déjà donnée plusieurs fois dans mes vidéos. Mais je vous remettrai le lien de cette vidéo, je vais rechercher dans mes vidéos, et je vous remettrai le lien. Alors, hop, là, ce sont des couleurs flashy, enfin flashy. Ce sont des belles couleurs printanières. Je laisse le suspense, hein, vous avez vu. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau sur ce kit? Je vous montre. Non, il est joli. Alors, par rapport à celui que moi, je suis en train de faire en ce moment, là, il est clair. Alors, on va essayer de vous le montrer. Hop. Alors, 1, 2, 3, voilà. Alors, j'espère que vous le voyez en entier, parce que là, moi, je ne vous vois plus. Voilà, donc, il y a un petit lac, des cygnes, des petits arbres, ça ressemble à des cerisiers en fleurs. Voilà, il y a des petites fleurs jaunes, voilà. Des petits tournesols en bas, là, ici. Voilà. Donc, alors, je vais me lever, peut-être que vous verrez mieux. Voilà, comme ça, moi, je vois mieux ce que vous voyez. Voyez. Il est super beau. Quand je l'ai vu sur le site, donc, alors les plis que vous voyez, je vous rappelle, hein, c'est pas des rivières, hein, c'est parce qu'il a été roulé, et je vous dis, donc avec le fer à repasser, ça ne se verra plus. Et là, comme c'est une feuille de protection transparente, c'est la feuille de protection transparente qui fait ça. Hein. Mais je vais vous montrer que sur le kit, il n'y a rien du tout. Vous voyez, il est super beau. Bon, le souci après, ça va être de trouver les cadres. Mais ça, ça ne va pas être un problème, je pense, chez le roi Merlin. Voilà. On verra le moment venu. Le temps qu'il fasse. Parce que bon, maintenant, il y a celui qu'il est en train de faire. Il a son Disney à faire aussi. Et après, il aura celui-là. Alors, je vais vous montrer... Voilà, donc là, il y avait un pli sur le plastique. Et donc, vous voyez, il n'y a strictement rien. La toile, nickel. Alors, je vous montre les impressions. Et j'espère que ça floute. C'est pas flou. Je pense pas, non. Voilà, les impressions sont vraiment super. Niveau de la colle, ça colle. Bon, c'est par contre, ces plastiques-là, c'est un peu embêtant, ça bouge beaucoup. Mais bon, c'est pas... Voilà. Alors, je vous rappelle, j'ai déjà dit aussi dans plusieurs vidéos, quand vous avez des protections comme ça, de plastique transparent, avant de le commencer, pensez à mettre tout de suite une étiquette sur le dessus pour que vous sachiez que là, c'est le recto. Et que là, derrière, c'est le verso. Hein. Parce que si jamais vous... De toute façon, il ne faut jamais enlever sa protection en entier. Hein. Ce n'est pas conseillé du tout, du tout, du tout. Mais au moins, vous savez, parce que ces protections-là, si vous les vous trompez de côté, si par exemple vous mettez ce côté-là sur la colle, vous allez avoir un mal de chien pour l'enlever après. Bon, je me répète hein, souvent dans les vidéos, mais c'est parce que je... Bon, peut-être que vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, donc... voilà, donc avant de commencer, vous collez un petit post-it, une étiquette, quoi que ce soit, et vous savez que ça, c'est le recto. C'est ce qui doit toujours être à l'extérieur, pour votre protection. Hein. Voilà, comme ça, vous savez que ce côté-là, ben, c'est le côté qui va coller sur votre kit. Et je vais encore me répéter, on n'arrache pas... sa protection. Quand on a fini de faire ses perles d'un côté, on repasse sa protection.
ça permet de ne pas avoir de poussière sur son kit. Voilà. Alors, je vais juste l'enrouler un tout petit peu. Ça fait prendre la place. Il est super beau. J'adore. Alors, les perles. Comme je disais, ce sont des perles rondes. Voilà, donc il y en a pas mal. Hein. Ah, je ne vous ai pas dit le nombre de couleurs. Excusez-moi. Alors, il y a 34 couleurs. Voilà. Ici, 34 couleurs. Donc là, comme d'habitude, j'ai le 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 34. Les petits symboles. Voilà. Donc là, les symboles sont bien nets. Hein, vous voyez, c'est tous les symboles, presque tous sont avec des lettres. Vous voyez, sont vraiment bien nets. Et à côté, vous avez les références DMC. Pas de feuille de route, je m'en fous. Je le répète à chaque fois, mais moi je m'en fiche des feuilles de route. Donc moi, tout ce que je vais faire après, c'est vérifier juste que j'ai bien toutes les couleurs, hein, qu'il ne me manque pas une référence, c'est la seule chose qui va m'inquiéter. Sinon, voilà. Je ne vais pas tout déballer, mais je vais vous en montrer quelques-uns, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, déjà, j'essaie de vous montrer comme ça. Donc, voilà, toutes les couleurs qu'il y a. Vous voyez, il y a beaucoup de bleu, du rose, du vert, un peu de jaune, un peu de noir. Alors, je crois qu'il y a du noir, 310, de 310. Oui, il y a du noir. Je m'en fiche, ce n'est pas moi qui le fais. Donc voilà, allez, je vais vous montrer une partie des perles pour vous montrer la qualité. Je ne vais pas tout sortir comme j'ai dit. Pas de poussière. Pas de perles cassées. Non. Alors, je vous montre par exemple les roses. Désolée pour les reflets, mais c'est du plastique, hein, je ne peux pas faire autrement. Bon, je vais quand même essayer de vous montrer toutes les couleurs. Alors, on va commencer. Là, c'est le 4-9. Alors, le 1, il est où? Je cherche le 1. Je cherche le début du chapelet. Voilà. On va se mettre dans l'autre sens. Voilà les couleurs. Elles sont super belles. Voilà, ça c'est le... c'est un noir, ça. Oui, ça, non, ça doit pas, c'est pas le noir, celui-ci. Si, c'est le noir. Alors, le noir, il y a 3 sachets. Un tout petit peu de rouge. Là, il y a 2 sachets de bleu comme ça et 2 bleus comme ça. Voilà. Bon, après, je crois que c'est là la suite. Donc, je les montre dans l'ordre ou pas, ça change pas grand chose. Hein, mais... Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup en chapelet, mais bon, moi ça, nous, ça ne nous dérange pas. Il n'y a rien qui nous dérange, nous. Le principal, c'est qu'on fasse notre kit, qu'il ne soit pas abîmé. Après, hop. Voilà. Et le dernier. Et il y a beaucoup de bleu, hein. Et du rose. Voilà. Donc ça, je changerai tout ça après. Hors caméra. Ça fera moins de bruit. Donc voilà pour le premier kit. Donc je vous remets en barre d'infos le lien de celui-ci. Donc je vous rappelle, c'est un 1 mètre sur 50 cm avec 34 couleurs. Voilà. Allez, on va prendre le moyen.
Je finis par le petit, parce que le petit, vous allez rigoler. Alors, le moyen. La taille, c'est un 40 sur 50 cm. Donc, comme d'habitude, hein, le petit kit. Donc, toujours des perles rondes. Voilà. Aucune rivière derrière. Pareil, c'est les plis, voyez, de l'enroulage. Donc, un coup de fer à repasser et il sera nickel. Et voilà le dessin. Une japonaise. Voilà, j'ai trouvé super belle aussi. De toute façon, si je trouve pas ça beau, je vais pas le prendre. C'est logique. Voilà. Donc, en perles rondes. Là, j'ai 24 couleurs. Il y en a moins. Bah, le kit est plus petit aussi. Hein, c'est normal. Je vais vous montrer les impressions. Donc, pareil, hein, c'est avec une protection transparente. Donc, on n'oublie pas de mettre sa petite étiquette avant de démarrer. Et voilà les impressions. Alors, ce que je vous vois, moi. Ouais. Voilà. Et niveau colle, il y a ce qu'il faut. Donc là, vous voyez, vous voyez un grand pli, là, comme ça, je sais, voilà, mais c'est la protection, hein. C'est pas du tout le kit qui est abîmé, c'est juste le pli de la protection, donc c'est pas un problème, il n'y a aucun souci, ça ne se voit pas sur le kit. Je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous le montrer, voilà, vous voyez, il n'y a strictement rien d'abîmé sur le kit. Juste la protection qui a fait un pli, enfin bon, c'est pas grave. Alors, je vais remettre moi. Voilà, donc je le trouvais vraiment joli aussi celui-là. J'aime bien les japonaises. Alors, des perles rondes. Voilà, en chapelet, comme d'habitude. Pas de feuille de route, je m'en fous. La légende, donc 24 couleurs, 1, 2, 3 jusqu'à 24. Les symboles et les références DMC. Voilà. Donc ici en haut, à chaque fois, vous avez la référence du kit. Non, là, en dernier, je vois à l'envers, hein, excusez-moi, c'est la taille, la référence du titre, et puis là, on va, Diamond Painting, et la petite photo, voilà, alors, mais je vous remettrai les photos à la fin, parce que là, ça va flouter, voilà. Alors, le petit bout, il est où? Il est là. Est-ce que j'ai du 310? Oui. C'est les cheveux. Ils sont noirs. J'ai deux sachets de noir. Ça va. Donc, je vous montre les couleurs. Voilà, le noir. Un tout petit peu de vert. Du rouge. Un peu de bleu. Un autre rouge plus pâle. Plus vif, encore un rouge, mais il y a beaucoup de rouge, hein, dedans. Voilà. Un bleu marine, du marron, un marron clair, du rose et un marron rouge. Voilà. Hop. Pareil, on se rangerait après. Ah, oh bah c'est bon, j'arrive à le remettre tout de suite. Voilà. Voilà, j'arrive à le remettre tout de suite dans le sachet. Donc voilà, pour la japonaise. Désolée pour le bruit.
Ah ben, j'arrive à le rendre. Hop. Donc celui-là c'est bon, je peux le remettre tout de suite dedans. Il n'y a que le grand, je vais le refaire après. Parce qu'il y a plus, comme il y a plus de sachets de perles. Donc il rentre. Rentre. T'as su sortir, tu sauras rentrer. Voilà. Donc souvent on sait les sortir, mais après pour les rentrer, c'est autre chose. Et après je marquerai, j'écrirai dessus ce que c'est. Que je fais à chaque fois. Après, à chaque fois, j'écris le nom du kit et puis le nom de la boutique. Comme ça, je me rappelle. Le petit dernier. Le petit rigolo. Bah oui, en ce moment, des fois, je fais des kits un peu hors ma zone de confort, on va dire, pour me changer un peu. Alors, là, je vais aller à l'envers. Je vais d'abord vous montrer les perles. On verra le kit après. Donc, comme d'habitude, le petit kit. Là, en plus, j'ai le petit supplément pour mettre 10 perles. Voilà. Et des perles. Ah non, là, c'est des carrés. Tiens, je croyais que c'était des rondes. Ah ben non, là, c'est carré. Ça change. Voilà. Je ne me rappelais plus. Alors, je vais d'abord vous montrer les perles. J'aime bien le suspense. Donc, ce sont des perles carrées. Je ne m'en rappelais plus. Quand je suis bien dans ma période ronde en ce moment. Voilà. Donc, des carrés. Alors, les carrés. Non, on va voir s'ils taillent bien. Normal, il y a l'air. Bon, ça, je le verrai à l'usage, hein, surtout, parce que là, bon, vu comme ça, on ne peut pas trop voir. Mais bon, il n'y a pas de poussière dans les sachets. Déjà. Alors, je vais vous montrer les couleurs. Vous êtes en train de dire derrière votre écran, mais elle nous montre le motif du kit. Ben oui, mais attendez, après. Alors, voilà. Il y a du rose. Il y aura du rose, du vert, du gris. Ça, ça doit être le noir. Ah non, c'est un marron. Bleu. Un bleu ciel, un marron, un bleu marine, du beige, un petit peu de rose, beaucoup de beige, du rouge, du jaune, du bleu et du rose. Tiens, il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de noir. Ouais, il n'y a pas de noir. Youpi. Donc voilà, vous avez déjà vu les couleurs. Bon, bah, c'est bon, vous en avez vu assez, hein, non? Je m'amuse ce matin. Non, allez, je suis gentille, je vais vous montrer le kit. Alors, là, le kit, c'est une petite taille. Ah mince, non, où est-ce qu'ils m'ont marqué la taille, là? Ah, ben, elle n'est pas marquée. Alors, attendez. Hop, très bien. Je vais mesurer. Donc, c'est un 50. Alors, c'est la taille de la... Quand on vous donne une taille, c'est toujours la taille de la toile. Hein. Un 50 sur 30. Voilà. Donc lui, le dessin en lui-même, il fait 43,5 sur 24. Voilà. Quand on vous donne une taille, c'est ça qu'il faut savoir aussi quand vous commandez. Les tailles qui sont notées sur les boutiques, c'est la taille de la toile complète, hein, avec les marges. Ce n'est pas la taille du dessin. Voilà. C'est la taille complète. Allez, je vous le montre. Alors déjà derrière, pas de pli. Je mets comme ça. J'essaye de pas vous montrer le dessin. Voilà, comme d'habitude. Et voilà le dessin.
vite les petites poules qui fricotent. Ça y est, ils vont dire, je vais à folle. Moi, j'avais envie. Pour mettre dans mon atelier. Pas mal, hein? Les petites poucoules. Je trouvais mignon. Je trouvais trop chou. Les petites poules qui tricotent. Je sais que cette image existe aussi en broderie. J'ai déjà vu plusieurs fois. Et bon, je l'ai vu, j'ai rigolé. J'ai dit, tiens, je vais prendre ça pour une fois, ça va changer. Alors, je vais vous montrer. Alors, déjà, ici. Donc, il y a combien de couleurs? Il y en a 19. Ben là, c'est un petit kit, hein, donc il y a moins de couleurs. Voilà. Donc, comme d'habitude, les chiffres, les symboles, les références DMC. Et. Donc le kit est nickel, hein, la toile est nickel comme d'habitude. Voilà l'impression des symboles et la colle qui colle. Voilà. Donc voilà le dernier kit. Les petites poupoules qui tricotent. Donc je vais vous mettre en barre d'infos les liens de tous ces, enfin tous ces guides, de ces trois kits. J'espère qu'ils vont vous plaire. Peut-être que vous allez craquer sur certains, sur les poules peut-être, pourquoi pas. Pour celles qui tricotent, vous allez peut-être vous faire un tableau avec des poules qui tricotent. Donc là c'est des, je vous rappelle, les poules c'est des perles carrées, les deux autres c'est des perles rondes. Voilà. Eh bien, avec cette petite présentation de kit, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des pouces bleus pour montrer que vous avez aimé. Et moi, je vais vous laisser aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on est samedi, donc vous aurez la vidéo ce week-end en ligne. Donc, je vais à tous vous souhaiter un excellent week-end. Et moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous bisous.